Good evening, welcome, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Brian Bauer, attaché culturel à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Je suis très heureux de vous accueillir à notre sixième rendez-vous musical hebdomadaire en direct. Welcome to all of our English-speaking followers. My name is Brian Bauer, the cultural attaché at the U.S. Embassy in France. And we're really happy to have you joining us here tonight. We have a special concert put together for this week. Cette semaine, notre artiste invité a concocté pour vous une medley des succès de l'année 1945 afin de commémorer ensemble et en musique le 75e anniversaire de la victoire des Alliés en Europe, demain le 8 mai. C'est la chanteuse américaine Carrie Christ qui nous accueille ce soir chez elle à Paris, où elle vit depuis tout juste 20 ans. So again, just to celebrate the 75th anniversary of the Allies' victory in Europe, tomorrow on the 8th of May, we're very lucky to be joined by the American singer Carrie Christ, who's joining us from Paris, where she's lived for the past 20 years. Carrie est connue dans le monde du jazz pour son swing, son groove et son scat. Le scat, c'est cette technique vocale si difficile, très propre au jazz. Je pense qu'elle vous en donnera un aperçu. Once a scatter, always a scatter. Carrie et moi, nous avons une chose en commun. Nous sommes tous les deux de Chicago, the best city in the world. Very excited that Carrie, just like myself, is also from Chicago. Something that we have in common. Aucune chauvinisme, c'est évident pour son talent que nous avons invité Carrie avec nous ce soir. Avant de laisser la place à Carrie, quelques informations sur les chansons que vous allez écouter et qui résonnent particulièrement dans le contexte actuel. D'abord, accentuate the positive, accentuer le positif. Nous en avons tous besoin, je crois. Chanté par Bing Crosby. Et I'm beginning to see the light, je commence à voir la lumière. Objectif 11 mai. Interprété entre autres par Ella Fitzgerald et Duke Ellington. Puis Sentimental Journey, le premier grand succès de Doris Day. Comme les trois fois précédentes, nous vous proposons de voter dans les commentaires pour choisir la troisième chanson. Alors, les deux choix, choix A, I Wish You Love, la version en anglais du célèbre titre de Charlie Trenet de 1942, Que reste-t-il de nos amours ? Repris plus tard par Frank Sinatra et de nombreux artistes, ou B, sympathique, qui commence par deux vers de Guillaume Apollinaire. So in English again, two choices for the third song that Carrie will sing tonight. Choice A, I Wish You Love, or choice B, sympathique. So please feel free to vote in the comments at the bottom. Also, if you have any questions for Carrie, anything about jazz, about what maybe her favorite club is in Chicago, please feel free to ask those as well. And we'll take some time for questions at the very end.